Bienvenue de cette première édition du journal missionnaire d'information et de promotion de l'Université Adventiste d'Haïti. Vous êtes dans Una Hebdo, Maranatha Jeff. Jésus vient bientôt, Rebecca. C'est une promesse incertaine et véritable. D'Apocalypse 22, le verset 20, il est écrit « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Absolument, Jeff. À chaque téléspectateur, Apocalypse 22, verset 21 dit « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. » C'est avec cette bonne nouvelle que nous présentons le sommaire de cette édition. Au sommaire, le baptême universitaire du mois de novembre 2023 de 4 étudiants au doux refuge. La grande cérémonie de graduation 2023 avec 5 jours de festivités protocolaires et réglementées. La programmation de la chapelle de théologie pour la plus prestigieuse faculté du campus. L'école de formation La vie familiale pour une famille épanouie, réussie et idéale. Le concours du chant-thème de la semaine de prière « Vive en paix dans un monde de chaos ». Luna, la voix du service, comment comprenez-vous ce slogan ? Pas d'électricité à midi sur le campus, est-ce que c'est volontaire ? Le département de l'aumônerie de Luna a organisé sa première semaine de prière d'automne du 11 au 19 novembre 2023 avec un thème particulier, vivre en paix. Ce fut un moment riche en spiritualité pour toutes les couches adjacentes du campus. Pas moins de 4 séances par jour furent agencées entre 7h AM et 7h PM. Pour les employés, le rendez-vous se déroulait à 7h AM. Le collège adventiste de Dikini se réunissait à 9h. Toutes les facultés se retrouvaient à 3h30 p.m. Et l'église de l'université avait rendez-vous de 6h à 7h p.m. C'est le pasteur Vanel Huissin de la FEDJAS, la Fédération centrale, qui avait la lourde tâche de dispenser les oracles de Seigneur tout en touchant du droit la réalité d'Haïti. Apprenons à manger ensemble, organisons les dîners ensemble. L'amour doit s'exprimer en parole et en action. Faisons des visites de prière, l'un se rend chez l'autre, et tu pries pour l'autre chez lui, dans sa maison. Prenons l'habitude de nous donner des cadeaux sans aucune occasion spéciale. Je dis en fait, c'est pour ton cadeau, on ne dépense pas avant, mais ça peut être beau. Cela fait chaud au cœur, cela fait du bien, cela renforce l'unité. Apprenne par exemple un petit câlin. Pas un petit câlin. Faut que tu bébé côté vous. Garde dans vos bols, pas un petit câlin. Pas un petit câlin. Que la belle, ça fait du bien. C'est tout le temps, c'est chaque jour. Reste de vous. Pas un docteur à un petit câlin, mais on va l'affection. Pas un petit câlin, pas la paix, les amis, pourquoi ça me fait ça? Pas un petit câlin, mais pas l'affection. Et le meilleur cadeau que tu puisses donner à Jésus, le meilleur cadeau que tu puisses donner à Dieu, c'est de prendre maintenant la décision de te faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'on baptise et puis le cadeau à Jésus. À l'issue de cette extraordinaire semaine de prière, Vive en paix, des étudiants et des collégiens ont répondu à l'appel de faire partie du peuple de Dieu et d'être sauvés en le manifestant publiquement par le baptême. La cérémonie baptismale s'est déroulée le samedi 11 novembre à 13h dans la piscine de l'université de Luna. 4 néophytes se sont engagés devant une foule venue en masse pour les accompagner dans leur changement de vie pour devenir des chrétiens adventistes du 7e jour. L'espace du doux refuge a accueilli cette intense cérémonie spirituelle sous la conduite du nouvel aumônier, pasteur Duquesne des Ravines. Le vœu baptismal alternatif fut expliqué dans un langage adéquat, comme par exemple le premier des 3 vœux qui dit ceci: acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel et désirez-vous vivre une relation salvatrice avec lui. Fin de citation. Chaque candidat devait donner sa réponse publiquement. C'est parce que tout homme a besoin de paix, comme beaucoup de pays, mais de quelle paix a-t-on parlé durant la semaine de prière d'automne de l'Université Adventiste d'Haïti? Le recteur Dr Sénèque Edmond nous en parle.
On parle de paix. On a besoin de paix. Et ce pays a besoin de paix. Mais la vraie paix ne peut être conçue en dehors de Dieu. Parce que pour avoir la paix, comme notre prédicateur nous l'avait dit, il faut être en paix avec soi-même. C'est ce qu'il nous a enseigné. Être en paix avec les autres. Être en paix avec Dieu. Et je souhaite que tout un chacun fasse cette expérience. Puis arriver en paix, peut-être pas yo. Peut-être que si yo pas trop bien qu'on est comment ça y est, nous disons bienvenue à l'Université Adventiste. N'a qu'à communiquer yo. Ça a été enseigné nous. Puis apprendre plus en paix, peut-être pas yo. Pour en paix avec le monde qui est bon côté yo. Et pour en paix tout. Avec bon Dieu, pour conscience yo. Capable en paix. Ma bien-aimée sœur, selon ta profession de foi, et suivant l'ordre de notre Seigneur sauveur Jésus-Christ, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ces étudiants ont compris que la vraie paix, on va la retrouver quand Dieu va compléter tous les aspects de notre vie. On sent que c'est dans ce sens qu'ils ont décidé de choisir Dieu. Et nous sommes très, très, très heureux de cela. On sent que c'est en accomplissant notre mission, dans notre curriculum, il y a l'aspect spirituel. Bien-aimés frères, selon ta profession de foi et suivant l'ordre de notre Seigneur sauveur Jésus-Christ, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui ça qui fait décider qu'on baptise? C'est normal. C'est à partir de un prêche. Parce que Vanel, tu fais, et puis après ça, le prêche là, tu es arrivé sous moi. Le message là, tu es arrivé sous moi, il t'a touché. Et puis après ça, dans la ville levée, depuis l'infinité là, mais toutes les villes levées, c'est son bail avec qui est un Mouchita. Chaque temps, ma ville levée, mon bail avec qui est un Mouchita, et puis après ça, je vais faire 10 minutes. Allez, je vais passer à vous, et puis après ça, je vais nous. Qui s'en aurait envie de dire bon Dieu aujourd'hui? Ah, mais vous pouvez dire, aidez-moi, c'est vraiment. Bah, mieux que l'autre, mais. Pour l'aider. Bah, enfin, pile, passer l'autre, qu'a fait, mais. C'est quoi de la aidez-moi, un peu. Bien-aimés sœurs, selon ta profession de foi, et suivant l'ordre de notre Seigneur, sauveur Jésus-Christ, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel a été l'objectif du département de l'aumônerie en organisant cette semaine de prière? Chaque automne, et il est toujours question de cette semaine de prière ici à l'Université Adventiste d'Haïti. L'objectif est toujours un objectif spirituel. Nous visons le spirituel parce que nous croyons que quand le spirituel est visé et que le spirituel est atteint, et tous les autres aspects seront touchés. Donc, nous bénissons le Seigneur parce que et cette semaine a été une semaine très bénéfique et qui a porté du fruit parce que aujourd'hui, 4 âmes se sont données au Seigneur par le baptême. Donc, nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Donc, cela sous-entend que et entre guillemets, l'objectif est atteint parce que tout au moins, il y a une âme qui se donne au Seigneur. Et suivant l'ordre de notre Seigneur sauveur Jésus-Christ, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, je suis bien assis en toi. Le
L'événement le plus gratifiant révélant le prestige et l'aboutissement de cycles d'études supérieures est attendu avec impatience pour l'ensemble des étudiants des différentes facultés de l'Université Adventiste d'Haïti. C'est avec de grandes enjambées que la date est arrêtée et que la programmation majestueuse se peaufine dans les bureaux de l'administration. Après 4 années d'études en accomplissant les exigences académiques, que la grande cérémonie de graduation qui marquera publiquement l'obtention du grade de licence, celui-ci obtenu avec sueur, sacrifice, acharnement, détermination et une confiance en Dieu. Le vice-président aux affaires académiques nous explique les différentes étapes de la période de graduation 2023 de l'UNA. Décryptons le programme avec Dr. Watlan François. L'UNA aura sa grande cérémonie de graduation annuelle cette année du 30 novembre au 3 décembre. Généralement, notre cérémonie de graduation s'étend sur 3 ou 4 jours, tout dépend des activités. Et cette année, ce sera sur 4 jours, du jeudi 30 novembre jusqu'au dimanche 3 décembre. Le jeudi, on aura la cérémonie inaugurale que nous appelons le cocktail présidentiel. Ce sera une réception qui sera donnée par la famille présidentielle. Et à ce cocktail, le public qu'on attend, c'est les gradués avec leurs époux ou épouses, les doyens des différentes écoles, les patrons de recherche et l'administration générale de l'UNA, y compris les membres du comité directeur. C'est plutôt restreint comme public, mais c'est comme ça le protocole pour cette première cérémonie. Et cela s'étendra de 4 heures de l'après-midi jusqu'à 6 heures. Pour la deuxième activité, ce sera le vendredi 1er décembre entre 5h et 6h30 p.m. Là, nous aurons la cérémonie de consécration et d'hommage à Dieu, aux parents et aux professeurs. C'est un programme spirituel où l'on va reconsacrer la promotion sortante à Dieu et aussi adresser nos remerciements à Dieu, aux parents et aux professeurs. À cette cérémonie, nous attendons tout le monde. D'abord, les gradués, leurs parents, les professeurs qui auront une place de choix dans le public et aussi les amis et familles, tous pourront y participer. Ce sera un programme très solennel et nous souhaitons avoir du beau monde à assister à ce service. Ensuite, on aura le culte d'adoration et l'école du sabbat combiné. Ce service aura lieu le samedi 2 décembre 2023, de 9h à midi. Entre 9h et 10h15, on aura le programme de l'école du sabbat et entre 10h30 et midi, on aura le culte d'adoration. À ce service, nous attendons une fois de plus tout le monde. D'abord, les invitants, ensuite leurs parents, les amis, les professeurs, tout le monde. C'est un programme ouvert au grand public. Et dans l'après-midi, nous aurons des programmes séparés par école et un programme que nous appelons « En route vers la mission ». Ce sera une occasion pour chaque école, chaque faculté ayant des impétrants, ayant des gradués. Ce sera un programme où ces écoles-là vont mettre l'emphase sur comment leurs nouveaux gradués pourront contribuer à l'avancement de la mission de Dieu sur Terre. Ainsi, la faculté de théologie, la faculté des sciences infirmières, la faculté des sciences administratives et commerciales, la faculté des sciences de l'éducation, chaque faculté aura un programme séparé mettant l'emphase sur comment les gradués de cette faculté pourront contribuer à la mission de Dieu. Et ce programme s'étendra de 3h PM à 5h PM le samedi 2 décembre 2023. Et le clou de ces festivités, ce sera pour le dimanche 3 décembre 2023. Entre 9h et midi, on aura la cérémonie de collation de diplômes. Et à ce programme, il faut avoir une carte, avoir reçu une carte d'invitation pour avoir accès à la salle de l'auditorium Michel Toussaint parce que les places sont très limitées. On attend
donc les personnes qui ont été invitées, qui ont reçu leur carte, on attend les professeurs, naturellement les gradués encore une fois, et aussi les invités spéciaux qui auront reçu des lettres à cet effet. Famille et amis pourront venir aussi, mais ils comprendront qu'ils auront accès à l'auditorium seulement après que les membres du protocole leur auront désigné des places. Parce que s'il n'y a pas de place disponible après avoir reçu les personnes avec leur carte ou leur lettre d'invitation, il sera difficile d'accommoder tout le monde. Donc, le grand public comprendra que les premières places sont réservées aux invités, aux familles et amis qui ont reçu les cartes officielles d'invitation. Et s'il y a d'autres places, on pourra accommoder d'autres personnes. Et ce sera le temps de prendre des photos avec les gradués et célébrer avec eux, glorifier Dieu pour leur succès et aussi chanter les bienfaits de Dieu pour avoir gardé l'UNA en vie jusqu'à cette présente période. Voilà en gros la programmation de ces activités du 30 novembre au 3 décembre avec le cocktail présidentiel du jeudi soir, la cérémonie de consécration, d'hommage et adieu aux professeurs et aux parents du vendredi soir, le service de l'école du sabbat et le culte combiné du samedi matin, les programmes séparés du samedi après-midi que nous appelons en route vers la mission et la cérémonie de collation de diplôme le dimanche matin de 9h à midi. La faculté de théologie de l'Université Adventiste d'Haïti est la première qui fut créée sous forme de séminaire. La FAT est l'une des plus prestigieuses facultés de l'université. Elle est la seule à posséder une chapelle dédicacée. Mais c'est quoi une chapelle dédicacée? La dédicace, c'est la consécration exclusive du bâtiment et uniquement de l'édifice à achever en totalité, depuis la fondation à la retouche pointilleuse de la peinture. Une fois terminé complètement, le bâtiment du culte à l'Éternel sera réservé uniquement pour les usages du culte et des activités religieuses. Rien d'autre que ceux-ci ne pourront s'y tenir. Eh bien, une cérémonie sera organisée pour consacrer à Dieu. Autrement dit, le bâtiment sera mis à part pour l'usage du culte religieux et activités de nature religieuse. Dans ce cadre, c'est pourquoi la faculté de théologie qui forme les futurs ministres culte jouit à elle seule de la chapelle dite de théologie pour ses activités et formations religieuses. Aucune autre faculté du campus ne peut programmer une activité au sein de la chapelle de théologie. Ce bâtiment est réservé à toute activité liée exclusivement à l'unique Dieu créateur du ciel et de la terre. L'Éternel seul est Dieu et il n'y a point d'autre. Merci Jeff pour cet éclaircissement. Dans ce cadre, chaque lundi à 1h30 p.m., la faculté de théologie commence sa semaine par une séance de chapelle réservée aux quatre niveaux de la licence en théologie. Le premier lundi de chaque mois à 1h30 p.m., la séance de chapelle de théologie est présidée par le décanat de théologie sous la direction du doyen, pasteur Edgar Etienne. Le deuxième lundi du mois, c'est un étudiant qui présentera la prédication. Le troisième lundi, toujours à 1h30 p.m., ce sera le tour d'un professeur ou d'un invité. Le quatrième lundi, la programmation sera réservée à une promotion ou un comité de la FAT. Et s'il y a un cinquième lundi dans le mois, la séance de chapelle sera consacrée à un débat ou un forum. Rappelons que la faculté de théologie de l'Université Adventiste d'Haïti existe depuis 1921 sous la forme de séminaire de théologie et que les théologiens savent aussi chanter et avoir plusieurs cordes à leur arc.
La famille est le socle de l'église adventiste du septième jour. D'après le manuel d'église, l'objectif du département des ministères de la famille est de consolider le mariage et la famille. La famille est une institution divine dont le mariage est le noyau. C'est le milieu par excellence dans lequel s'effectue l'apprentissage des valeurs, là où se développe la capacité d'entretenir des relations intimes avec Dieu et avec autrui. Son intégrité est vitale à la mission de l'Église qui est de faire des disciples. Fin de citation. En effet, c'est dans cette optique que l'Église de l'Université Adventiste d'Haïti a élaboré le projet de monter une école payante et certifiante de formation à la vie familiale. Comme le dit l'auteur célèbre américain Ellen G. White, le dessein de Dieu est que les familles terrestres soient un symbole de la famille céleste. Les foyers fondés et dirigés selon le plan céleste sont un des moyens les plus efficaces pour former des caractères chrétiens et faire progresser l'œuvre de Dieu. Citation tirée du livre « Pour un bon équilibre mental et spirituel », volume 1, page 178. Écoutons le pasteur de l'église et le directeur de l'école. Comment l'église de Luna est arrivée à avoir une école? Ok, nous voulons voir des familles unies et heureuses. Et pour y arriver, nous avons pensé à avoir une structure qui facilite la formation de ceux qui sont déjà en famille et ceux qui pensent et construire une famille. Et c'est effectivement ce que vise cette école de formation à la vie familiale où nous allons pour commencer avec les célibataires, ceux qui pensent se marier, et pour finir avec ceux qui se sont déjà mariés, qui doivent prendre des formations que nous appelons des formations post-nuptiales. Maintenant, on a réfléchi en voyant les besoins de la famille aujourd'hui. Et on a lancé ce programme avec une équipe très dynamique qui a dû se mettre au travail pour offrir une préparation très technique et aussi trouver des gens qui peuvent transmettre la formation pour répondre à la préparation technique qui a été faite. Quand les familles sont beaucoup plus solides, l'Église sera solide parce que la base de l'Église, ce sont les familles. Et si nous avons des familles chrétiennes unies, solidaires, qui fonctionnent normalement, c'est sûr que l'Église aura moins de problèmes à gérer et l'Église sera aussi plus forte parce que la famille sera la vraie base. Que diriez-vous à quelqu'un qui doute qu'il doit venir à cette école, marié ou célibataire? Je crois que très souvent on a peur de la nouveauté, mais j'encourage ceux qui doutent encore à venir parce qu'ils ne regretteront rien. Car ces formations qui seront données serviront à tout le monde. Et nous comprendrons plus loin que effectivement, ce n'était pas un temps perdu. Quand on a pris du temps pour préparer ce programme, ils n'ont pas à avoir peur. Ils trouveront ce qu'ils ont besoin pour discuter, pour réfléchir, pour avoir une meilleure vie de famille. Nous vraiment sentons-nous contents pour belle occasion ça que l'Église Université Adventiste joigne, non seulement l'Église Université Adventiste, mais communauté en général, sous initiative ça qui prend par les dirigeants de l'Église pour former famille. Donc après-midi, nous apprenons un peu de bagage. C'était ouverture là. Donc nous avons plusieurs, nous avons Dr. Segui qui t'a parlé sur, la vie de la famille, l'idée christocentrique, et puis nous avons la culture tout. Donc, nous sommes vraiment satisfaits, en pile suggestions, en pile lumière, et nous pensons que ça est vraiment bon parce que la famille, c'est le socle de l'Église, pour ne pas dire le socle de la société. Pour cette conférence inaugurale, notre préoccupation a été de poser les principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés dans les familles en Haïti. Et donc, le but a été de créer un effet de choc, de dire la vérité telle qu'elle est, et surtout d'analyser cette réalité sous son angle, je dirais, social, sociologique. Attirer l'attention des gens sur le fait que nous avons une famille idéale, nous avons un idéal de famille, tel que Dieu nous l'a présenté dans le texte fondateur de Genèse 2, verset 24. Mais il est un fait que nous, dans la réalité concrète, lorsque nous constatons, lorsque nous analysons, lorsque nous décrivons la réalité haïtienne, ce que nous constatons, c'est que
nos familles ne sont pas issues du modèle de Genèse 24, mais nos familles de préférence prennent leurs racines dans la tradition culturelle africaine. Et dans cette tradition, justement, ce que l'on constate, c'est que l'idée que l'homme laisse ses parents pour former une unité avec sa femme, cette idée ne tient pas. Ce n'est pas comme ça que l'on conçoit la famille en Afrique. Et dans beaucoup de cultures africaines, ce n'est pas comme ça qu'on conçoit la famille. Les gens se marient, mais restent membres de leur famille d'origine et ne forment pas une unité entre eux. Et de comprendre comment passer, comme il est dit, l'apôtre Paul le dit souvent, comment passer de notre foi vous étiez à maintenant vous êtes. Comment passer de cette autre foi à maintenant. Comment laisser, comment rompre avec cette tradition contraire à la parole de Dieu pour ancrer nos familles dans le modèle proposé par la parole de Dieu. En réalité, c'était ça l'objectif de la conférence inaugurale et je crois que c'est ce que nous avons fait. Maintenant, je crois que la base est posée pour que dans les prochaines sessions avec les cours qui vont venir, pour chercher la solution au problème. Après provision et une programmation minutieuse, l'école de formation a vu le jour le dimanche 5 novembre 2023 à 1 h. PM à la chapelle de théologie. Plus d'une centaine de personnes assistèrent à la conférence inaugurale. Tous les professeurs furent présents pour présenter les objectifs de chaque module de formation. Des grands et émérites formateurs dispenseront les différents cours de 2 h. PM à 6 h. PM tous les dimanches de novembre à fin janvier pour la première session de 3 mois. Les professeurs sont Dr. Franck Segui, Mme Antonine Bassien, Pasteur Edgar Etienne, Dr. J. Romélus, Pasteur Férol Richardson, Maître Jean Josué Pierre, Pasteur Ruisler Charles, Pasteur Fritz Noël, Pasteur Jean-Philippe Extra. C'est le directeur de l'école, Dr. Franck Segui, qui ouvre les portes par la conférence inaugurale sur le thème « Famille, tradition et culture ». Si ta mère et ta femme sont en train de se noyer et que tu ne peux sauver qu'une seule personne, qui sauverais-tu? Selon la Bible, on doit sauver madame, parce que... Le verset a dit que nous devenions celle chère. Ce qui veut dire quitter madame mourir, c'est comme si c'est moitié par madame quitter mourir. Et en tant que bon haïtien, qui ça vous dit? En tant que bon haïtien, oui. Bon, selon Jean et haïtien comprennent, et si je t'attends de me dire que c'est madame, il a critiqué, mais. Nous ne devons pas vivre pour haïtiens, nous devons faire bon Dieu plaisir, c'est ça, bon Dieu demander, c'est ça pour nous faire. Bon, la famille selon Dieu d'abord, c'est que la famille selon Dieu, c'est que vous avez deux personnes qui se sont, qui ont été éduquées dans deux familles différentes, qui décident de se mettre ensemble pour former une unité. Donc, dans la famille de Dieu, d'abord, l'homme doit prendre l'initiative de rompre avec sa famille d'origine. Quand nous disons rompre, nous ne disons pas provoquer un schisme, mais nous voulons dire prendre son indépendance par rapport à sa famille d'origine pour former lui-même avec sa femme, sa propre famille et travailler à ce que lui et sa femme deviennent une seule chair. Ça, c'est le point de départ. Cette famille, comme nous je viens de le dire, a son origine, a sa source en Dieu, c'est Dieu qui a créer cette famille au départ, il n'y a pas d'alternative. Je crois que par les temps qui courent, il faut insister sur ce point. Il n'y a pas d'alternative. La seule famille qui existe dans le plan de Dieu, c'est l'homme qui quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Sa femme de sexe féminin, sa femme. Pas un individu qui s'identifie comme femme, mais un être biologique qui s'appelle femme. Tout scientifique qui analyse va voir que ce corps, c'est un corps féminin. C'est de ça que je parle. Un homme et une femme. Okay? Donc, le mariage hétérosexuel et monogamique. Ça, c'est la famille qui est basée sur la Bible, qui prend sa source en Dieu, qui est guidée par l'Esprit Saint et qui a pour objectif de permettre à chaque membre de cette famille
l'homme et la femme, plus les enfants qui seront, qui arriveront plus tard pour agrandir la famille, faire que chaque membre de cette famille et connaisse un épanouissement dans ce plan que je viens de préciser. Et tout ce que fait cette famille doit être orienté vers la formation d'un caractère qui puisse résoudre les problèmes du péché, parce que Jésus promet qu'il revient, et lorsqu'il revient, c'est pour prendre ceux qui auront formé un caractère semblable à lui. Donc, c'est ça le rôle de la famille, c'est ça la famille dans la conception que nous avons présentée, et c'est vers cet idéal que nous souhaitons que chaque famille de la communauté, pas seulement de notre église, mais de toute la communauté, parce que l'école est ouverte à toute la communauté, nous souhaitons que chaque famille de la communauté tende vers cet idéal. Quels sont les horaires et les jours d'école? L'école travaille et chaque dimanche de 2h à 6h. Okay? De 14h à 18h. 2h à 6h. En Haïti, on préfère dire 2h à 6h PM. Donc, et nous, quelle date, à quelle date? Et nous avons initié aujourd'hui, 5 novembre. Nous aurons, donc chaque dimanche, nous allons travailler jusqu'à la pause de Noël. Ensuite, nous reprendrons en janvier. Nous avons planifié d'avoir 2 sessions de 3 mois, mais notre programme est tellement dense que ça ne pourra pas tenir à 2 sessions. Nous serons obligés de faire une 3e session. Donc, après 3 sessions, c'est-à-dire après 9 mois, nous aurons notre première cérémonie de graduation, ce qui permettra aux élèves qui ont participé à ces 2 classes, la classe pré-nuptiale et la classe post-nuptiale, les 2 ensemble vont avoir leur graduation et recevoir un certificat attestant qu'ils ont suivi cette formation. À l'Université Adventiste d'Haïti, le mardi de 3h30 p.m. à 4h30 est réservé pour la chapelle commune pour toutes les facultés. Ce mardi 22 novembre, sous l'impulsion du ministère de l'Aumônerie, la chapelle fut réservée au concours interfaculté du chantème de la semaine de prière. Notons que 4 facultés ont adhéré à ce concours, la FAT, la FASACO, la FSI et la FASELA. Une ambiance adulateur se dégageait de l'auditorium Michel Toussaint rempli à craquer. Car chaque faculté défendait ses candidats avec frénésie dépassant les décibels autorisés pour cet auditorium. Un jury trié sur le volet rendait son verdict après chaque prestation, le commentaire de l'un des jurés. On se croyait à une célébration de culte. Fin de citation. Hélas, il n'y a pas précisé lequel. La majorité des étudiants ont apprécié ce moment de chant. Un reportage de Maranatha TV avec les images d'Op Media Haïti. Oh, my God. Oh, my God.
plaisir pour nous capable là, pour nous capable parler de ça qui est passé jeudi. Nous retrouvons l'Université Adventiste d'Haïti pour que nous suivions un concours de chant et comment que étudiants même ont dégagé satisfaction en ce qui a avec Voyo. Mais c'est comme ça lui-même, ça a été déroulé et dans l'auditorium Michel Toussaint, avec grand pile monde qui vient découvrir et comment que ça lui-même était venu dans l'université là. Mais nous a dit chaque monde et qui a un talent spécial tout ça, mais venu dans l'université là qui va prendre tout bon bagaille et nous sûr et certain avec l'Université Adventiste d'Haïti n'a pas remporté en pile prime avec l'Université Adventiste d'Haïti, mais grand pile bagaille capable fait, mais si que nous-mêmes nous mettons nous ensemble. Nous capable toujours dire ensemble nous fort, mais lorsque nous pas ensemble nous fort, nous faible. Mais admettez nous ensemble pour capable collaborer, pour capable porter un bon résultat pour l'Université Adventiste d'Haïti. Merci Serge. Comment la doyenne de la FSI a compris et a supporté son équipe cet après-midi? C'est un plaisir pour moi. D'abord de manifester ma joie parce que la FSI n'a pas été seulement présente uniquement aujourd'hui. Tout au cours de la semaine et de la semaine dernière, le décanat avait supporté ses étudiants pour cet après-midi. Donc, il est vrai que les étudiants ont perdu certains cours pour se préparer pour cet après-midi. Mais grâce à Dieu, nous pouvons dire que jusqu'à présent, nous pouvons écrire victoire. Car notre victoire de ce concours est assurée. Ah, tellement! Ah bon? Donc, tellement crié au pet voix. Donc, après-midi, c'est où qui criez plus. Est-ce que FSI a gagné après-midi? Bien sûr, numéro 1 de la liste. Qui ça qui a fait gagner? Attends, qui ça qui a fait gagner? On a respecté toute performance, c'était vraiment formidable. C'est vraiment waouh, on n'a pas de mots. Moment extraordinaire que nous sommes vivants ensemble. Et moi, je ne vais pas attendre que. Il y a pile d'étudiants qui ont chanté dans le niveau ça. À partir du concours aujourd'hui, nous finissons par voir que dans le mur que nous avons gardé là, il y a pile d'étudiants, il y a pile de talent, et spécialement avec vous, c'est extraordinaire. Ça a été chanté en premier, mais on a chanté vraiment bien, mais nous ne connaissons pas ce qu'il y a. Qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce Est-ce que Fassel a gagné un concours ça? Oui, nous avons gagné. Yes, nous avons gagné. Oui. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Est-ce qui ça qui fait Fassel a gagné après-midi? Bon, il m'a motivé. C'est ça. Il m'a motivé. Il était bien chanté. Comment avez-vous vécu votre concours de chant concernant la semaine de prière? C'était vraiment bien, on a vécu ça, c'était un petit peu stressant, on a bossé et on a donné une prestation vraiment géniale et on est fiers de la face là. Comment la théologie a vécu ce concours? Pensez-vous gagner, messieurs? C'est notre souhait à tous, puisque c'est pour cela que nous avons opté de participer à ce concours. Et je dois vous dire que ce fut une expérience hors pair. Et durant toute la semaine, toute âme qui a été présente dans la chapelle a été bénie, édifiée. Et le tout a été couronné par ce grand show, par ce concert. Et qui a ramené pas mal des jeunes constituants des groupes et des facultés diverses qui ont éclaté. Et du coup, c'était vraiment extraordinaire et nous en avons été contents et fiers. Quelle espérance vous fait passer à un concours ça? L'espérance, c'est que Jésus-Christ est la paix. Jésus-Christ est l'espérance dans un monde troublé. C'est que quand nous connaissons que Jésus-Christ peut donner la paix. Cette paix n'est pas du contraire par rapport à des guerres de ce monde, mais c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la paix dans une relation parfaite avec Jésus. Alors, ça a été une expérience qui
nous sera mémorable parce que on a pu adorer le Seigneur en même temps et montrer notre talent par devant toute la faculté de l'administration commerciale. Alors, ce fut pour nous un moment de joie et nous espérons que le meilleur va gagner. Est-ce que Fassako sera le meilleur? Bien sûr, Fassako est le meilleur. Racontez-nous un peu la genèse et justement aussi l'Apocalypse. Ok, ok. Donc, je veux saluer tous ceux qui nous regardent. Et je tiens à dire que cela n'a pas été facile. Et en ce qui a trait à l'organisation, la genèse de ce concours, parce que l'idée m'est venue et tandis que la semaine de prière commence. Parce que dans le but de, dans le souci de mettre un peu d'animation, et puisqu'il s'agit d'une université non seulement chrétienne, mais et pour permettre à ces étudiants-là de, je dirais, d'avoir un focus sur ce qui se fait pendant cette semaine de prière, l'idée m'est venue en tête de mettre ce concours sur pied en tant que l'aumônier de cette catégorie pour les étudiants. Donc, cela m'est venu à l'idée et je l'ai mis sur papier et c'est bel et bien la réalisation de ce concours aujourd'hui. Donc, je peux dire que je loue le nom de mon Dieu pour cela, d'avoir permis à ce concours d'avoir lieu et de terminer en beauté. Et comme vous le voyez, vous pouvez le constater, et les étudiants sont vraiment satisfaits de ce concours. Donc, je loue le nom du Seigneur pour cela. Pensez-vous que les objectifs que vous recherchez ont été atteints? Justement, parce que ces gens-là que vous voyez là seront, je dirais, directement, seront d'office pour la chorale de l'étudiant. Ce que vous venez de voir, là, ce sont des futurs membres de la chorale Crescendo de l'Université Adventiste d'Haïti. Un slogan est une phrase courte, concise, originale ou une formule choc, employée plus particulièrement pour servir d'accroche, être facilement mémorisée. Le rôle d'un slogan correspond dans le domaine de la communication à une phrase percutante qui sert à promouvoir un produit ou un service. Le slogan a vocation à être retenu pour pouvoir être étroitement associé à un produit, à une marque, à une entreprise ou à un programme ou aux idées qu'il illustre, afin de les diffuser ou de servir de moyen de reconnaissance. Par définition, un slogan est nécessairement réducteur. Pour séduire, il peut faire appel à la poésie ou à l'humour et être remarquable dans sa construction. Certains slogans, par leur succès, deviennent de véritables locutions proverbiales. Comme par exemple, Maranatha Jeff, tu me réponds? Jésus revient bientôt, Rebecca. Mais quel est le slogan de l'Université Adventiste d'Haïti et comment le comprenez-vous? En quoi la voie du service est en harmonie avec cette cérémonie de baptême que nous venions d'avoir aujourd'hui? L'Université Adventiste d'Haïti a choisi ce slogan, la voie du service. C'est une invitation constante aux employés, mais aussi aux étudiants, à tous ceux qui fréquentent ce campus, à servir. Parce que nous sommes tournés vers la communauté, nous devons servir notre prochain. Nous sommes tournés aussi vers l'Église, nous devons servir l'Église. En sorte que tous ceux qui fréquentent l'Université Adventiste d'Haïti doivent apprendre à servir le prochain et à servir Dieu. Partout où l'on pose les pas, on doit être serviteur. Serviteur comme le Seigneur le veut, serviteur comme la communauté l'attend. La voie du service, c'est la voie qu'il faut. Parce que en fait, en dehors de la voie du service, on pourrait dire qu'il n'y a rien. Donc, quand nous disons la voie du service,
nous visons effectivement cette question de service à tous les niveaux. Et ça commence par le spirituel pour finir par le matériel et le physique. Donc, notre rêve, c'est de voir et cette voie et que nous prêchons, cette voie que nous enseignons, devienne effectivement cette réalité qui sera une réalité pas passagère, mais une réalité éternelle. Donc, avec la voie du service, on forme des gens, on oriente des gens et finalement, on a abouti à la vie éternelle. C'est l'objectif. Pour nous ici à l'UNA, la voie du service, c'est une devise qui traduit la philosophie de l'Université Adventiste d'Haïti. Cette vision du service, autrement dit, nous préparons nos élèves et nos étudiants à devenir des serviteurs de tout le monde, de Dieu, du prochain, de la communauté. Donc c'est notre vision, former non pas des personnes qui visent à des projets mercantiles ou autres, mais des personnes qui soient imbibées par la philosophie du service. C'est pour cela que nous avons cette devise quant à l'UNA qui est la voie du service. C'est l'endroit où l'on apprend à servir. Donc nos gradués sont attendus sur ce chemin-là. On espère voir tous les gradués de l'UNA en train de servir Dieu, le prochain et la communauté. Savez-vous pourquoi à 12 heures l'électricité s'arrête sur tout le campus? La raison est capitale pour l'Université Adventiste d'Haïti. Car midi marque le passage à la mi-journée, le temps passe du matin à l'après-midi. Mais pourquoi l'UNA manque de manière spéciale ce temps et que fait toutes les institutions de l'université à midi précisément? Écoutons les explications du Dr Brian Marceau, le vice-président aux affaires financières de l'UNA. From the Adventist University of Haiti, the reason why we close our lights at midday 12 o'clock is so that we might give the entities a time to pause. We take a break between the hour of 12 midday up to 1 p.m. This is the reason why we take this break, so that people may take time to pray. And therefore, between that time, people are free to take a break and also take time to pray. And time to have prayer and reflect and talk to the Lord. That is the main reason why, besides making the generator stop, we give people time to pray. Thank you. Mizi célèbre pour tout le monde camper pour Babon Chigloa et prier. Donner à Dieu la première place dans votre vie est primordiale et déterminante pour une vie réussie. Un étudiant peut réaliser immenses choses dans la vie, mais la vraie réussite appartient aux étudiants qui savent donner à Dieu la première place dans leur vie. UNA Hebdo, c'est la fin de cette édition et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant. UNA Hebdo, c'est l'information au cœur de l'UNA. Nous remercions toute l'équipe de la rédaction et Op Media Haïti. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. UNA Hebdo, c'est Maranatha pour vous.